Bonjour à tous, c'est Bertrand desbonsprofs.com. Alors, petite nouveauté pour cette rentrée 2018, en fait la seule nouveauté au lycée, ça concerne la classe de seconde, c'est une toute petite chose, c'est un test de positionnement en mathématiques et en français. Alors l'objectif, il est clair, c'est la maîtrise de la langue française et des mathématiques. Concrètement, il va y avoir deux séances, une en français et une en mathématiques à la rentrée. Les élèves vont passer un test numérique, donc ce sera sur un ordinateur, sur Internet uniquement. L'idée, c'est que en fait, les résultats de ce test vont permettre, en théorie, d'aider les professeurs à faire de l'accompagnement personnalisé. En bref, un élève va répondre à un certain nombre de questions en mathématiques et avec ces résultats, le professeur pourra ensuite exploiter pour chaque individu en disant « Bon, bah, toi, Benjamin, on va plutôt travailler le calcul littéral. Toi, Fatima, en revanche, c'est la géométrie qui coince. » Pareil en français. Donc, voilà l'idée. Après, on espère que les profs joueront le jeu. Est-ce qu'ils vont accepter ? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, le principe est celui-ci. Donc, il va y avoir 50 minutes en français, 50 minutes en mathématiques. En français, on va tester l'étude de la langue, compréhension écrite et orale. Alors, oral, ça se fera seulement avec les établissements volontaires. En mathématiques, pour tout le monde, organisation et gestion de données et nombre et calcul. Et puis, en option, il y aura de la géométrie calcul littéral pour les bacs généraux et de la géométrie et calcul de grandeur pour les bacs pro. Voilà, c'est pas noté, il n'y a pas à avoir peur, c'est pas la peine de réviser. Alors, c'est toujours bien de se préparer un peu avant la rentrée, naturellement, pour le premier trimestre. Voilà pour les nouvelles de la pré-rentrée. N'hésitez pas à retourner sur lesbonsprofs.com. On a un blog avec plein d'infos pour les élèves, pour les familles. À très bientôt.